Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour sauver votre matériel dans certaines situations. Alors très souvent, je constate que pas mal de photographes prennent leurs photos des fois dans des conditions un peu extrêmes, souvent avec du matériel entrée de gamme, et ne font pas trop attention aux intempéries, à la poussière, aux embruns, etc. Résultat, ils risquent d'avoir de gros problèmes avec leur matériel. Alors moi, ça m'est arrivé à mes débuts, lorsque j'avais mon premier compact numérique, donc ça date, ça fait déjà plusieurs années, j'avais l'habitude de prendre des photos en bord de mer, sans pluie hein, pourtant, et rapidement, au bout de 6 mois, j'ai envoyé mon appareil au SAV, et j'ai eu comme retour, votre appareil est complètement oxydé à l'intérieur. Voilà, en fait, malgré tout, même s'il n'y avait pas de pluie, il y a toujours des embruns, des choses comme ça, qui s'incrustent, et puis ça finit par ne pas faire bon ménage avec l'électronique de l'appareil. Alors, même si vous n'habitez pas en bord de mer, eh bien, il se peut que lorsque vous faites vos photos, eh bien, il y a un peu de pluie qui tombe, ou alors beaucoup de poussière, si par exemple vous faites un shooting sur une compétition de motocross, un petit peu de vent qui se lève à la plage, et c'est vite la catastrophe, on a des commandes qui se bloquent, et puis on a des poussières dans l'objectif, sur le capteur, etc. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise et ce que je vous conseille d'utiliser pour protéger votre matériel. Alors la première chose que j'ai acheté pour protéger mon matériel, c'est ce type de protection. Donc ça coûte une cinquantaine d'euros. Alors au final, j'utilise plus trop, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est une très bonne protection, notamment quand il fait froid parce que c'est molletonné. On peut mettre sa main dedans ici pour faire les réglages. Donc je vais vous la monter. Alors moi je la trouve un petit peu encombrante et pas facile à mettre, c'est pour ça que je l'utilise vraiment quand il fait froid. Sinon, j'utilise un autre système que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le principe, on met l'appareil dedans, donc il y a des scratchs un petit peu partout, on peut mettre ça aussi sur trépied. Ensuite, vous avez devant une sorte de bâche qui va aller sur l'objectif, donc comme vous pouvez le voir c'est assez long, hein, donc on peut mettre ça même sur des 500 mm, si vous avez un 500 mm, hein, sur les 200, 600 actuels. Voilà, ensuite vous mettez ça à l'avant. Un petit scratch, voilà, et derrière vous avez un écran transparent, voilà, et hop, quand je soulève cette petite protection, j'ai un trou pour mettre sur le viseur, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez encombrant, s'il y a du vent ça bouge, etc, mais par contre c'est quand même très très efficace. Donc là, vous rentrez votre main ici et vous avez accès ensuite aux commandes. Voilà. Alors moi, le reproche que je fais à ce type de choses, c'est que là, ici, c'est beaucoup trop large. Donc quand il y a du vent, ça bat tout le temps. Donc au final, je l'utilise plus trop, sauf quand il fait froid, parce que ça permet de bien protéger, on n'a pas froid. Et ça isole aussi du bruit. Donc pour les gens qui font de l'animalier, ça peut être intéressant. Alors si vous n'avez pas envie de vous embêter, je vous conseille de prendre cette petite protection que j'ai depuis très longtemps. Donc vous voyez, c'est pas un vulgaire sac plastique, hein, c'est prévu, c'est beaucoup moins lâche que l'autre protection déjà, et on peut mettre l'appareil dedans, hein, ça a une courbe en fait comme ça, et moi j'ai rajouté un petit élastique pour éviter que ça pende trop et que ça batte au vent, voilà, et vous avez accès, c'est transparent, et en fonction des conditions, vous pouvez sortir un petit peu si vous voulez, etc. Mais ça protège vraiment bien. Donc c'est la marque Rainsleeve. Donc je vous mettrai les références sur le blog. Voilà, 7 euros à l'époque les deux. Donc vraiment pas cher du tout. Donc si vous avez un petit téléobjectif, évidemment si vous avez un 18-55 comme ça, ça va être un petit peu gros. Mais si vous avez un téléobjectif, même un 70-200, un 70-300, c'est très utile. Voilà. Alors, si vous avez oublié votre protection, ou si vous n'avez pas l'occasion de sortir dans des conditions extrêmes, eh bien, un truc tout bête, que vous connaissez peut-être déjà, mais je vous le remonte, vous prenez un sac de congélation, voilà, vous percez un trou au bout, et ensuite, vous mettez l'appareil dedans, voilà, hein. Même en vacances, hein, si on a oublié ses protections, on essaie de trouver un petit sac, même un sac plastique, un sac de congélation, c'est pratique, il y a différents modèles, et en plus,
c'est transparent, donc c'est plutôt bien. Et voilà, et donc là, votre appareil est protégé. Vous pouvez mettre un petit élastique ici pour plus de sécurité. Et voilà, on a une protection. Très efficace contre la poussière, contre les embruns, etc., etc. Alors, petit conseil au passage pour les gens qui font des photos en bord de mer. Je vois souvent ça l'été, parce que moi j'habite au bord de la mer. Quand le vent vient de mer, je vous déconseille de prendre des photos d'ailleurs, même si vous avez une super protection, parce que les embruns vont venir sur l'objectif et là, c'est la catastrophe. Déjà, vous allez très rapidement ne plus rien voir et avoir des photos floues. Donc, il faut absolument, quand vous prenez des photos de surf, de planche, etc., si le vent vient de face, il faut vous mettre de côté, ou alors il faut essayer de prendre vos photos quand le vent vient de côté ou de terre. Mais de face, à éviter absolument. C'est parfait pour rater ses photos, et c'est parfait pour bousiller le matériel. Voilà. Alors, si jamais vous n'aviez pas pris de protection, et qu'il y a eu de la pluie qui arrivait, ou beaucoup de poussière, vous n'aviez pas prévu, donc je vous conseille, en rentrant, de prendre une éponge humide, et ensuite de bien nettoyer votre matériel, tout le démonter, etc. Ensuite, vous l'essuyez avec un torchon doux, une microfibre par exemple comme celui-ci, et vous le laissez à l'extérieur. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser son matériel un petit peu humide dans son sac photo, parce que là, ça va être champignon garanti. Donc vous allez avoir des taches qui vont apparaître à l'intérieur de votre objectif, et là, c'est SAV, démontage, et parfois, c'est difficilement récupérable. Donc, laissez à l'air libre votre matériel photo s'il a pris un petit peu l'humidité. Voilà, donc si vous faites attention aux conditions climatiques, si vous protégez votre matériel, si vous en prenez soin aussi en rentrant, bien nettoyé, hein, vous pouvez aussi passer, je dois l'avoir quelque part, voilà, la petite poire ici pour enlever les impuretés, etc. Prenez vraiment soin de votre matériel pour qu'il dure longtemps, vous le revendrez mieux et puis au moins il marchera, il n'y aura pas de déconvenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Essayez le petit sac de congélation, c'est vraiment pratique. Moi, j'en ai toujours deux ou trois dans mon sac photo, au cas où. Ou alors, j'ai cette grande protection, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est pas cher, et ça peut vous éviter des déconvenus. Je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire ici. Si vous n'êtes pas encore abonnez au blog, et si vous voulez recevoir ma série de vidéos gratuites, eh bien, vous cliquez ici, et vous recevrez tout ça par mail. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, faites de bonnes photos, et pensez à votre petit sac de congélation. À bientôt !